Eh bien bonsoir à vous toutes et à vous tous, merci d'être avec nous, quel plaisir de vous retrouver comme chaque jeudi soir sur Zeronet TV, la première chaîne vidéo high-tech de France, pour débriefer l'actu high-tech de la semaine. C'est parti pour Zéro à la Vibdo. Jérôme, bonsoir. Salut François, bonsoir à tous. Google sauvera-t-il les montres connectées? Dans ce Zéro à Live, vous allez découvrir la nouvelle version d'Android Wear, le système d'exploitation pour les wearables. Alors il y a des choses intéressantes, mais la montre connectée pour l'instant ne passionne pas les foules. On va voir ça avec Raphaël Grably. Rumeurs, fake, théorie du complot et manipulation. Il manquerait plus qu'une petite musique un peu stressante, tu sais. Comment ne pas se faire abuser par les fausses nouvelles sur le web? Noémie Lefebvre-Marek va tout vous dire sur la manière dont les géants du numérique partent en guerre contre la désinformation en ligne. Elle est en train de répéter son texte, c'est impressionnant. Comme chaque semaine dans Zéro à Live, zoom sur les nouveautés côté labo. Et ce soir, Raphaël Grably, encore lui, oui. Il n'y a que lui aujourd'hui à la rédaction, en fait. Les autres sont partis. Presque. C'est les vacances, ils sont au ski. On les salue d'ailleurs. Non, il y en a d'autres qui viennent. Ouais, il y en a plein qui travaillent. Oui, quand même. Et avec lui, on va découvrir le Samsung A3, un nouveau smartphone de milieu de gamme, si je ne me trompe pas. Et notre ami François Bedin sera là aussi. Il va nous montrer un petit objet connecté, bien pratique pour sécuriser l'accès à son ordinateur. Ouais. Enfin, vous découvrirez ce qui est peut-être le plus gros PC du monde. En tout cas, il est énorme. Un PC de gaming cubique monstrueux. Emeric Siméon l'a testé. Il est même plus gros qu'Emeric, pour vous dire. Emeric n'est pas bien épais, mais quand même. C'est vrai. Eh bien, écoutez, voilà, vous savez tout. C'est parti pour ce Zéro en Live Hebdo. Vous le savez, on est là chaque jeudi soir en direct de 18h à 18h30 sur Zéronet TV. Question 01net Orange de la semaine. Vous répondez à ce petit sondage et on en parle tout à l'heure aujourd'hui. Utilisez-vous une montre connectée? Ça suffit François Sorel, tu vas prendre une gifle. Ah là là, qu'est-ce qu'elle est bonne cette blague alors. Hein, si vous l'utilisez, une montre connectée. On dit bien, est-ce que vous l'utilisez pas? Est-ce que vous en avez une dans votre tiroir? Votre tiroir, voilà, peut participer. Est-ce que le tiroir peut participer? Non, parce que lui, il pourrait dire oui. Bon, ça suffit, les moqueries. Non, d'accord. Non. Hein? Là, je suis un peu, c'est vrai, je vais voilà, un peu loin. Voilà, dites-nous ce qu'il en est, en ce qui vous concerne, voilà. Puisque c'est un petit peu le sujet du jour. Montre connectée, oui, non, sur zeronet.com et zeronettv.com. Et puis, bien sûr, comme nous sommes en direct, vous le savez, le plus important, le hashtag 01live. Vous pouvez réagir dès maintenant avec nous sur Twitter. Hashtag 01live, vous nous laissez votre petite question, votre petite réaction, votre petit coucou parce que vous êtes avec nous en direct ou sur 01net TV ou sur YouTube. Aujourd'hui, hein. Tout. Le petit coucou. Et voilà, le petit Twitter, c'est un petit oiseau, il est comme ça. Donc on vous attend, hashtag 01live. Salut Raphaël Grably. Salut. Comment ça va Raphaël? Ça va très bien, merci. Merci d'être venu nous voir, d'avoir traversé ce long couloir qui nous sépare. C'est vrai. Je suis un peu épuisé. La rédaction de 01net. Puis merci Raphaël aussi, puisque tu vas parler de montres connectées, d'en avoir mis une à ton poignet. Oui. Je trouve quand même que c'est très sympa, tu sais, c'est un peu comme, je sais pas moi, une belle femme qui sort le samedi soir et qui sort sa parure de diamant. Ouais. Alors, là, tu t'es dit, je vais venir avec une montre connectée. Alors pour les gens qui ne connaissent pas le sketch et qui découvriraient ce soir, donc voilà, c'est un sketch que vous pouvez retrouver d'ailleurs là. MJC de Juvisy, on est en concert tous les deux. C'est un sketch qui a démarré quoi, il y a 2 ans à peu près, hein, je sais pas, avec les premières montres connectées. Moi j'aime la montre connectée et le monsieur à côté lui fait croire depuis des années que ça sert à rien. Donc voilà, on en est là. Non, oui, c'est vrai. Comme on va parler d'Android, j'ai mis l'Apple Watch, évidemment. Voilà. autant être un peu polémique. Oui, mais je vais être polémique sans être polémique, mais voilà, tout le monde sait qu'Android Wear, c'était un peu décevant. Google a lancé ça il y a quelques mois, enfin quelques années même. Il rame un peu vraiment à s'imposer, à faire des produits qui s'imposent, qui sont vraiment convaincants. Et donc, il y a Android Wear 2.0 qui avait été annoncé en mai. Donc qui a été plusieurs fois retardé, donc on commençait à attendre un petit peu comme le Messie. Alors pour Google, c'est enfin l'occasion de relancer ce marché de la montre connectée. Android Wear qu'on voit là. Oui, qui date d'hier soir en fait, c'est à l'occasion. Alors justement, c'est parce qu'en fait hier, qu'il y a une actu malgré tout. Voilà, il y a une actu, c'est que Google et LG ont annoncé 2 montres, les premières montres connectées sous Android Wear 2.0 qui sortent demain officiellement aux États-Unis. C'est pas la Watch Style. Alors pas chez nous, je vais vous expliquer pourquoi.
la Watch Shell qui coûte 250$ et la Watch Sport 4G qui coûte 350$. Alors la pub, bon, elle est un petit peu, voilà, elle fait pas très réaliste, je trouve. Le mec qui non, mais comme sympa, ça, j'aime bien le coup du lit qui se lève là. Oui, c'est mignon, c'est sympa. Rêve, c'est un peu ton rêve, ça, c'est ça. Le truc avec ta maison connectée que tu es en train de construire, peut-être que tu pourras imaginer un lit qui te lève automatiquement. Pardon, excuse-nous. Non, non, mais il n'y a pas de souci. Petite parenthèse. Moi, je suis dans la maison connectée, lui, dans la voiture connectée. Mais bon, c'est pas le sujet de média. Puis voilà, donc on voit un petit peu donc les nouveautés qu'il y a. Alors parmi ces nouveautés qui sont censées relancer Android Wear, etc. Donc c'est Android Wear 2. 2.0, donc c'est la plus grosse mise à jour depuis le lancement d'Android Wear. Il y a le Play Store qui est désormais accessible depuis la montre. Donc on va pouvoir télécharger des applications depuis sa montre. Ah, c'est pas mal ça. C'est sympa. Ouais. Il y a la personnalisation du cadran, c'est-à-dire on va pouvoir mettre des widgets en fait de ses applis préférées comme sur smartphone. Donc un widget Uber pour lancer Uber rapidement, etc. Donc on va pouvoir personnaliser ça. Il y a l'apparition d'un clavier virtuel pour répondre. Oh. Alors ça, personnellement, le clavier virtuel, ça existe déjà en fait chez Samsung, par exemple, sous Tizen, d'ailleurs, qui, à mon avis, peut-être, voilà, c'est vraiment Tizen qui avait réussi à trouver le meilleur modèle en face de l'Apple Watch. Mm-hmm. Là, il lance un clavier virtuel. Alors si on se figure c'est ça, trop petit. Mais voilà, sur un écran de quelques pouces, c'est assez minuscule, donc c'est vraiment pour s'en servir à la marge. En plus de ça, il y a quelques fonctionnalités pour le sport qui arrivent, mais qui viennent finalement rejoindre les concurrents. Il n'y a rien de révolutionnaire là-dessus. Et les deux principales nouveautés, c'est Android Pay. Payer avec sa montre, comme on pouvait voir sur la vidéo. Mmh. Là, encore une fois, bah, ce n'est pas pour nous parce que ce n'est pas encore développé en France. Android Pay. Quoi ? C'est du NFC ? C'est du NFC. C'est comme en fait le NFC qu'il y a sur l'Apple Watch. Exactement. C'est le NFC de l'Apple Watch, exactement. Et il y a surtout, ce qui est le plus important, et ce qui va expliquer pourquoi elle ne va pas sortir chez nous pour le moment, c'est Google Assistant. Donc, l'intelligence artificielle de Google qui existe sur le Pixel et qui explique aussi pourquoi le Pixel ne sort pas chez nous. Et en fait, l'explication, elle est assez simple. C'est juste parce que Google Assistant, bah, ce n'est pas encore en français. Ouais, c'est en anglais, en allemand, ce qui explique pourquoi c'est sorti, le Pixel était sorti aux États-Unis, en Angleterre, en Allemagne, et que Google Assistant n'étant pas en français, pour le moment, les montres Android Wear 2.0 ne sortiront peut-être pas en France, en tout cas dans les prochaines semaines, et il va quand même y avoir des mises à jour, parce qu'en fait, là, ils ont présenté des montres, mais le but, c'est comme Android, hein, c'est de faire des mises à jour sur les montres qui existent déjà. Alors, il y aura la Moto 360, la LG Watch Urban, les montres de chez Huawei, les montres de chez Asus, etc. Donc là, il va y avoir une mise à jour. Mais encore une fois, est-ce que cette mise à jour va intégrer Google Assistant ? Et si ça intègre Google Assistant, il faudrait que ça l'intègre en français. Or, le problème, c'est Google, on ne sait pas du tout quand est-ce qu'ils vont enfin traduire Google Assistant. Je rappelle, hein, c'est l'équivalent de Siri, grosso modo, en français, ce qui permettrait enfin de passer un cap au niveau du Pixel et d'Android Wear 2.0. Ouais, c'est l'équivalent de Siri, c'est même l'équivalent d'Amazon Alexa. Exactement. Et alors, oui. C'est amusant, enfin c'est amusant, je trouve pas ça amusant du tout d'ailleurs, mais c'est que c'est disponible en anglais, bon ça on comprend, mais également en allemand. Oui. Les deux systèmes sont disponibles en allemand et nous les Français on passe derrière. Bah, faut voir comment, qu'est-ce que c'est que ça ? Mais tape du poing sur la table. Ok, les Allemands, d'accord, c'est bien, tant mieux pour eux, mais pourquoi pas nous ? Je sais pas, on dirait que c'est plus difficile de traduire en français qu'en allemand. Personnellement, je pensais que l'allemand c'est assez compliqué au niveau de la traduction. Mais c'est un petit peu dommage. L'anglais et l'allemand, il y a pas mal de racines communes. Oui, non, mais c'est vrai. France, c'est autre chose. Non, mais à mon avis, c'est des raisons sûrement stratégiques et économiques, parce qu'ils ont jugé... Les Allemands, c'est pas ceux qui mettent le verbe à la fin, là à la fin de la phrase. Je sais pas, je parle pas du tout allemand. Non, mais voilà, c'est des raisons avant tout stratégiques et économiques, mais bon, en plus, il y a quand même le Mobile World Congress qui arrive à la fin du mois, donc on peut quand même s'attendre à ce que Google annonce l'arrivée de Google Assistant pour la France, en tout cas, on l'espère. Après, sur le marché des montres connectées, donc ils annoncent Android Wear 2.0, moi, sur les fonctionnalités que je viens vous citer, il n'y a rien de vraiment révolutionnaire. Il n'y a rien d'intéressant qui, voilà, bah, sinon, intéressant, oui, mais qui va vraiment relancer, ou même lancer, en fait, tout simplement, le marché des montres connectées, qui est quand même dominé par l'Apple Watch, mais qui, dans son ensemble, franchement, les montres connectées, ça devait être le nouveau produit incroyable. Maintenant, c'est juste un nouveau produit, mais c'est pas ça vraiment qui a fait des étincelles. Je suis pas sûr que ça suffise, honnêtement. C'est une bonne nouvelle, mais je suis pas sûr que ça suffise. Alors, Raphaël, on va vous interroger. Vous, qu'est-ce que vous en pensez de cet Android 2.0 et d'une manière générale, que pensez-vous justement de ces montres connectées indispensables ou gadgets qu'on oublie très vite? Vous pouvez nous le dire soit avec le hashtag 01live, là, puisqu'on est en direct sur Twitter, ou bien c'est notre question 0net orange. On vous attend. On a par exemple Caribou qui me fait bien rigoler. Les montres connectées, c'est un peu comme les TV3 des cinémas en 30 minutes. Et après, on remarque que c'est inutile et souvent moche. Alors, pour aller dans ce sens-là, je vais vous faire une confession. Donc, j'utilise l'Apple Watch. J'adore l'Apple Watch. J'adore l'utiliser. Simplement, il n'y a pas très longtemps, il y a un mois et demi, à 17h. Alors, ce que j'avais fait, c'est que souvent, comme j'ai
un peu la flemme de la charger le soir, voilà. Je l'éteins, comme ça elle ne consomme pas de batterie, etc. À 17h, à la fin de la journée, je me dis, tiens, c'est marrant, j'ai rien reçu sur mon Apple Watch, et en fait, je ne l'avais juste pas allumé à 17h. Je m'en suis aperçu qu'à 17h. Ça, c'est pas bon. Je me suis dit, c'est un truc, on aime l'utiliser, mais un produit qu'on oublie d'avoir allumé à 17h, c'est un produit qui est profondément pas indispensable. Après, je pense que contrairement... Ça, c'est terrible. Ce qu'il vient de dire, c'est terrible. Non, c'est un bon raisonnement, mais ça pourrait se discuter. Non, mais c'est utile, l'Apple Watch. Mais moi, j'aime bien. Mais en plus, ça m'est arrivé aussi. Ça. Voilà, c'est ça, c'est un super produit. Tu t'aperçois en fin de journée que tu l'as pas déverrouillé, mais c'est là où tu te dis, mais c'est bizarre, elle a pas vibré de voilà, toute l'après-midi. Voilà, c'est juste on y pense comme ça, voilà. Mais tu te dis pas. Mais non, mais tu diras jamais ça d'un smartphone. Mais non, mais tu es d'accord avec moi. Tu te diras jamais, mon smartphone. Je me suis rendu compte à la fin de journée qu'il était éteint. Mais ça montre que c'est une extension du smartphone et que c'est pas le évidemment que ça ne va pas remplacer le smartphone. Par contre, la comparaison avec les télé 3D, moi je pense que les télé 3D c'était vraiment dans, on va dire, dans l'histoire high tech, un artefact, quelque chose qui va durer, voilà, qui n'a vraiment pas duré. La montre connectée, je pense, voilà, il y a encore un potentiel qui peut être exploité. Oui. Pour le paiement notamment. Pour le paiement, pour le sport par exemple. Pour Lionel, attendez, juste une chose. Lionel qui dit quelque chose à mon avis de très juste. La montre connectée fonctionnera quand elle sera déconnectée du téléphone. Bah, c'est le but d'Android Wear. Hein. C'est tout le but d'Android Wear. Mais oui, version 4G. Ouais. Exactement. Alors justement, le but c'est de permettre de lancer donc des montres avec du NFC pour payer, des montres avec des cartes SIM 4G. Là, je vous disais, le Play Store accessible directement depuis la montre, c'est pour pouvoir partir sans son smartphone. Et effectivement, c'est exactement ça. C'est le jour où on pourra partir avec sa montre sans son smartphone. Pour le moment, c'est un écran secondaire du smartphone. Plus, moi, personnellement, les fonctions sport, je trouve ça hyper sympa. Oui. Je trouve ça très utile, les fonctions de sport, mais clairement, au quotidien, bah, c'est pas moi, ça. Moi, depuis quelques temps, je pilote mes lampes chez moi avec la montre. Je trouve ça très sympa. Oui. Bon, sinon, il y a les interrupteurs. Mais quoi? Bah évidemment, oui, les interrupteurs, oui. Ça, c'est le mec qui dit, j'ai une voiture à essence, mais avant, il y avait des chevaux. Là, j'adore le, mais le sport, pour le sport, Raphaël Bashing. Là, si t'as tué, là, en deux secondes, il t'a tué. Mais non, mais enfin, c'est ridicule. Non, mais c'est vrai que c'est... Non, mais il y a du potentiel, clairement. Pour moi, ça a une durée de vie, c'est beaucoup plus enthousiasmant quand même que les télé 3D, à mon avis. De quoi, la montre connectée? Oui, je pense qu'il va y avoir des choses intéressantes. D'accord, mais pas pour l'instant, en tout cas. Pour le moment, c'est un super gadget. Oui, c'est un super gadget. Tiens, je vois passer, allez, vite fait, une question sur YouTube. Vous savez, YouTube, c'est le truc où il y a les vidéos, machin. Je sais pas ce que c'est. Voilà. Pourquoi les montres connectées coûtent cher? Il y a des petites fautes d'orthographe dans la phrase, hein, si tu pouvais corriger. Non, mais attends, t'es sur YouTube, Zepé Bendo. T'écris vite comme ça, là. Tchic. Voilà. Pourquoi c'est si cher? Ça dépend. Combien? 300, 350, 400, alors ça 900, dépend. Je sais pas combien chez Apple. Ça peut aller entre 200, 400. Bah, ce qui coûte cher, c'est l'intégration des composants. Donc, en gros, grosso modo, ce qui va coûter cher, c'est le capteur cardio. Quand on intègre un GPS, ça coûte cher. La puce NFC, ça peut coûter cher. L'écran, ça va coûter cher. Et ce qui coûte cher, c'est aussi... Qu'il n'y a pas beaucoup de clients. Il n'y a pas beaucoup de clients, donc faut pratiquer, voilà, les volumes sont pas énormes, il y a beaucoup de recherche et développement parce que faut intégrer tous ces capteurs, c'est comme un mini smartphone dans un petit espace. Il y a de la techno, hein. Donc non, les prix, pour moi, enfin honnêtement, quand je vois une montre là, la Watch Sport 4G qui va sortir de chez LG, qui pour $350 intègre une carte SIM 4G, cardio, NFC, GPS, personnellement, moi je trouve que le prix est pas du tout exorbitant. Non, c'est vrai. Voilà, c'est vrai. Un bon prix. Celle, la Watch Style qui n'intègre rien du tout pour $250, par contre, je préfère rajouter $100 et avoir tous les composants, à mon avis. Après, il faut voir s'il n'est pas trop épaisse. Voilà, clairement, la Watch Style, le but, c'est d'avoir un joli appareil. Merci Raphaël. Super. Merci. Voilà, vous pouvez continuer à réagir sur la montre connectée. De toute façon, Raphaël reste là. Hein. On l'a bloqué. Il ne peut pas sortir, puisqu'il revient tout à l'heure avec le Galaxy A. Voilà. À 3, ouais. Sinon, il y a une dame qui nous a rejoint et qui n'arrête pas de rigoler quand on dit des méchancetés sur la montre connectée. Ouh. Vous allez la découvrir tout de suite. C'est Noémie Lefebvre-Marie. Et oui, Noémie Lefebvre-Marek remplace encore une fois cette semaine Delphine Sabatier. Nous sommes ravis d'accueillir la chef de service de Zéronet TV. Noémie, bonsoir Noémie. Bonsoir. Les épaulettes. C'est ça. Noémie, donc, avec qui nous allons parler de réseaux sociaux et de désinformation, Jérôme. Noémie, les géants du web coopèrent pour faire face à la désinformation sur Internet, je le disais en titre. C'est un véritable fléau.
Et c'est un vrai problème de société. Exactement, il faut être honnête, on va essayer de l'être deux minutes. Moi-même, pourtant je suis quand même assez, j'essaie de faire attention, je suis assez méfiante, eh bien je me suis déjà faite avoir au moins une fois, je dirais. Ce qui se passe en fait aujourd'hui, c'est qu'on est tellement exposé à une quantité d'informations énormes, notamment sur les réseaux sociaux, que c'est vrai que c'est devenu très difficile de faire le tri. Sur les réseaux sociaux, on tombe sur quoi ? À la fois des articles sérieux, de rédaction, qui prennent le temps de travailler, des médias d'investigation, mais aussi des posts de blog, des articles totalement bidonnés ou clairement des articles destinés à nuire. Et c'est vrai que c'est difficile de faire la hiérarchie entre ces infos. Le phénomène a pris tellement d'ampleur que certains estiment que le Brexit ou l'élection de Donald Trump sont liés à ce problème de désinformation de l'opinion. BuzzFeed a fait une enquête, et bien je vous propose de regarder ce graphique. C'est une photo en fait de l'ampleur de la catastrophe, les fake news. Alors non, là il faudrait le graphique. C'est le slide 42. C'est les deux courbes qui se croisent juste avant l'élection de Donald Trump. Ça c'est Thomas. Voilà. Bravo. Merci Thomas. Il confond toutes les infos. Exactement. Sur Internet. Donc on voit en fait que quelques jours avant l'élection de Donald Trump, ce qui s'est passé sur Facebook, c'est que les fake news, les informations fausses, ont dépassé en termes de partage, en termes c'est de dingue. Résonance, c'est dingue. Les vraies informations, enfin en tout cas les informations vérifiées. Qui elles s'effondrent sur ce graphique, c'est ça qui est fou. Exactement. Ouais. Parmi ces hoax, il y avait notamment l'idée que Hillary Clinton avait vendu des armes à l'État islamique. C'était faux, évidemment. C'est d'autant plus inquiétant que selon une étude récente, de plus en plus de personnes ne s'informent plus que sur les réseaux sociaux, en l'occurrence 44% d'Américains. Facebook a été clairement pointé du doigt sur cette histoire d'élection de Donald Trump. Ils se sont défendus dans un premier temps, puis ils ont décidé de changer de stratégie. Oui. Et le plus drôle dans cette histoire, c'est que le fondateur de Facebook était un fervent défenseur d'Hillary Clinton en plus. C'est ça qui est amusant dans cette histoire. Et ils ont annoncé donc qu'ils allaient collaborer avec Google pour le projet Crosscheck. Exactement. Crosscheck, ça va sortir. Il faut savoir le dire. Sera lancé le 27 février prochain. C'est quoi en fait ? Ça va être une plateforme collaborative dont l'objectif sera d'aider les internautes à vérifier la véracité d'un article, mais aussi d'une photo, d'une vidéo ou bien d'un commentaire en ligne, avec en France l'appui de 16 grandes rédactions, je cite pour ne citer qu'elles, l'AFP, BuzzFeed ou Le Monde. Comment ça va marcher ? Bien, les internautes pourront signaler des informations qui ne sont pas très fiables. Elles seront ensuite contrôlées par des journalistes. Toutes ces questions seront recensées sur un site dédié. Facebook soutient le projet et annonce qu'il va développer lui-même son propre outil en vue de l'élection présidentielle, car on sait qu'aussi ici, ça peut vaciller. Même principe, les internautes vont signaler des fausses informations, elles seront soumises à des rédactions partenaires, et là, ce qui va se passer, c'est que si deux journalistes fact-checkers estiment que c'est bien une fausse information, eh bien sur Facebook, on verra un petit pictogramme avec une mention nous informant que ce sera contesté par des tiers. Et alors, ce qui est intéressant, Noémie, c'est qu'il y a aussi des initiatives plus locales, plus françaises et qui sont plutôt intéressantes. Exactement. Et il faut citer, on va saluer la naissance de Décodex, de l'équipe Décodex, du Monde, en fait, de l'équipe plus particulièrement des décodeurs qui a la réputation maintenant de... Enfin, c'est une rédaction, en fait, qui essaie de lutter contre... C'est des fact-checkers. Voilà, des fact-checkers, exactement. Alors là, Décodex, c'est plusieurs choses. C'est d'abord un indice de fiabilité des sites d'information. Donc, en fait, c'est un moteur de recherche, comme on peut voir sur ces images. On rentre, on copie-colle une page internet, on rentre un site internet, on tape l'URL, on met l'URL, voilà, et puis exactement, et puis là il va nous dire si ce site est fiable, s'il est plutôt, il a plus tendance à pas être fiable tout le temps, ou si c'est carrément à fuir. Mais c'est aussi une extension pour Google Chrome, pour en fait avoir, pendant qu'on navigue, savoir où est-ce qu'on est. Et puis c'est enfin, il faut le noter, une série de ressources pédagogiques, notamment à destination des enseignants, parce qu'on sait que les enseignants sont exposés, ils sont confrontés au public jeune qui n'est pas toujours bien armé, donc il va y avoir des ressources pédagogiques pour savoir comment vérifier une rumeur, vérifier des sources ou encore reconnaître des théories complotistes. C'est très bien cette petite extension. Moi, je l'ai installée. C'est vrai qu'on a des petits pop-up comme ça. Alors après, ça, on peut rentrer dans des débats très compliqués, de subtilité. Exactement. Qu'est-ce qu'une vraie info, fausse info, pourquoi etc. Est-ce qu'un média compte dit que les autres médias disent bon ou pas ? Parce que Le Monde, c'est un média parmi les autres. Oui, c'est mais pas une autorité supérieure. Tout à fait. C'est pas une autorité. Est-ce que l'info est vraie ou est-ce que l'info n'est pas vraie ? Ils disent est-ce que c'est vérifié ?
ou est-ce que ça ne l'est pas? Est-ce qu'il y a une possibilité, enfin, est-ce que ce sont des journalistes professionnels qui travaillent avec ce souci de la vérité, ou alors est-ce qu'il y a un intérêt derrière, une intention de nuire? C'est quand même important. Après, il y a une zone grise entre avec des vrais faits qui peuvent être présentés de manière tendancieuse aussi, parce que s'il y a un article, tous les journalistes, tous les médias disent ça c'est faux, les gens ils vont dire ah en plus on essaie de nous le cacher, on essaie de nous dire mais c'est faux. Ça c'est vrai, tu as raison Raphaël, ça c'est la théorie du complot en se disant ah ils sont tous contre ça donc je vais aller vers ça. Mais c'est le vrai problème de la crédibilité des médias, mais soyons sérieux, les médias professionnels vous donnent des vraies infos, il faut arrêter de fantasmer sur et puis surtout on nous cache tout, c'est pas vrai, c'est ne pas prendre pour argent comptant tout ce qu'on lit sur Facebook, il y a énormément de bêtises qui sont sur Facebook, notamment avec des sujets des photomontages, des pages qui passent leur journée en fait à poster des trucs qui ont vraiment un intérêt. On est tous tombés sur des trucs bizarres. Mais le problème c'est que ça se partage beaucoup plus facilement. Et plus c'est spectaculaire, plus c'est facile à comprendre et plus c'est douteux souvent. Merci beaucoup Noémie. Merci à vous. Noémie Lefebvre-Marek, il est 18h20, c'est 01net TV, c'est les 01 Live Hebdo, on revient dans un instant direction le labo. Avec le hashtag 01live sur Twitter, vous pouvez à tout moment réagir au sujet qu'on évoque. Hashtag 01live, on suit votre fil en direct. Et tout à l'heure, on parlait des montres connectées. C'est la question 01net Orange de la semaine. Utilisez-vous une montre connectée? Alors ça donne quoi notre petit sondage? Non à 63%. Et oui, effectivement, c'est pas joli joli. Oui, 37%. Bon, continuez à voter. Non mais voilà, bon, c'est une tendance, on va voir un petit peu si ça se poursuit. Dans quelques minutes, les amis, Aymeric Siméon viendra avec le plus gros ordinateur qu'il n'ait jamais eu à porter. Et vous allez voir, c'est un truc immense, il est tellement gros que s'il se cache derrière, on ne le voit plus, Aymeric. Oui, voilà, pratiquement, ça sera dans un instant. On va retrouver aussi Raphaël Grabli qui est à nos côtés et qui va nous parler du nouveau Galaxy A3. Mais auparavant, c'est François Bedin. A3. Exactement. Bon, là on est à 4, c'est pas grave, mais... Bonjour François Bedin. Bonjour. Comment ça va? Eh ben ça va très bien. François, c'est le roi des disques durs, des clés USB, petits périphériques un peu insolites. Et des belles chemises aussi. Et des belles chemises aussi. Il est réputé pour ça sur YouTube, c'est vrai. C'est vrai. D'ailleurs, il a un club spécifique. Tout à fait. Alors en matière de clés USB, là j'en ai une un peu particulière. Ouais. Alors où est-ce qu'on va la... On la montre où? Là, comme ça là? Alors attention. Voilà. Je vais la montrer où? C'est-à-dire que quand il y a 17 caméras sur un plateau, on ne sait plus quoi faire. Bon, c'est une alors cette clé est faite par un constructeur Yubico et la particularité c'est que c'est pas du tout une clé pour stocker des données, des fichiers ou quoi que ce soit, c'est une clé d'authentification. C'est-à-dire que c'est une clé qui va servir en fait à dire ah oui c'est bien moi qui me connecte. D'accord. D'accord. Alors c'est, il faut. Ah oui, alors c'est vraiment une. J'ai eu un peu de mal à comprendre le principe. Et le principe, le problème, il est très simple. Le problème, c'est quand on va sur un compte, par exemple, type Google ou Facebook, pour s'identifier, on rentre un identifiant et un mot de passe. On est d'accord. On est d'accord. Bon, si un pirate connaît l'identifiant et le mot de passe, il peut être à l'autre bout du monde et se connecter sur le compte. On est d'accord. Voilà. Donc l'objectif, c'est de rajouter un deuxième niveau d'authentification qui va prouver que c'est bien moi qui me connecte et non pas le pirate. On est d'accord. Donc les sites type Facebook ou Google ont trouvé comme idée pas mal, c'était d'utiliser une authentification par smartphone en envoyant en fait un SMS avec un code qu'il faut ensuite re-rentrer pour s'authentifier. Ça, c'est le deuxième niveau d'authentification. Mm-hmm. Mais maintenant, il y a ce système de clés qui est quand même un peu plus pratique. Alors, concrètement, comment ça marche, François, pour qu'on comprenne bien? Alors, il y a deux cas de figure. Il y a le cas de figure des appareils ou des navigateurs qu'on considère comme étant sûrs, par exemple celui qu'on utilise tous les jours. Donc dans ce cas-là, on décrète qu'il faut qu'on s'authentifie normalement, c'est-à-dire avec juste son login et son password, parce qu'on ne va pas non plus à chaque fois être obligé de recevoir un SMS. Ou... Et puis, il y a d'autres appareils où on dit non, là c'est pas sûr, c'est des choses qu'on va peut-être utiliser qu'occasionnellement. Et dans ce cas-là, pour s'authentifier, au moment de rentrer le login et le password, il va demander en plus d'insérer la clé. Là, en l'occurrence, il faudra insérer la clé et mettre le doigt sur le petit cercle. C'est quoi? C'est un capteur d'empreinte digitale? Non, c'est pas un capteur d'empreinte digitale, c'est juste un déclencheur, un actionneur. C'est un petit bouton. Voilà. Un bouton. Voilà. Un interrupteur, on va dire. Non. Voilà. Alors ça marche. Arrêtez avec vos interrupteurs. Non, mais c'est pour ça que je voulais t'entendre réagir. Pardon, j'ai fait quelques tests. Ça marche avec Google et avec Facebook, mais après il y a des contraintes. Les contraintes, c'est déjà au niveau du navigateur, c'est-à-dire que ça marche qu'avec Chrome et avec Opera.
Donc si par exemple on est avec Edge, et ben non, ou Firefox, ça marche pas, ou Firefox. Voilà. Donc là il y a déjà, des limites. Ouais. Alors cette clé là, c'est un peu le modèle haut de gamme, parce que en plus elle est non seulement clé USB, mais en plus elle est NFC Bluetooth. Donc elle va marcher avec un smartphone. Donc j'ai fait aussi l'essai avec Google. J'ai mis, au moment où il m'a demandé l'authentification, alors j'ai pris évidemment un smartphone compatible NFC, j'ai mis dans ce cas-là la clé collée au smartphone et ça m'a authentifié. Ah oui, tiens. Ouais, ça c'est chic ça. Et enfin, alors ça marche sur Mac, sur PC ? Ça marche, je vais y arriver. Ça marche sur Mac et sur PC. Ça marche sur Mac et sur PC. Mais avec les limites que je viens de Mais c'est pour les agents secrets, non ? Ou pour non, c'est pour les les parano, c'est-à-dire que c'est vraiment pour être sûr et certain. Marc, il faut une petite dose de paranoïa. Voilà. Petite. Mais les gens par exemple qui utilisent ce facteur de double authentification justement avec leur l'envoi de SMS, eh ben, bon, après, justement, c'est plus facile à utiliser que le smartphone et qu'à chaque fois attendre. Raisonnable pour ce type de choses. Caribou qui dit je vais enfin pouvoir sécuriser mon compte Facebook et utiliser parce qu'en fait il faudra toujours le mot de passe. Et voilà, c'est ça. Parce que ça vient en plus. Et oui, ça vient en plus. Ça ne remplace pas alors peut-être que par exemple le lecteur d'empreintes digitales est peut-être encore mieux. Et oui. Parce que justement ça peut peut-être tout remplacer. Ça permet de s'authentifier sans justement rentrer de mot de passe, etc. Mais quand on n'a pas le choix, bah voilà, ça peut être une alternative intéressante. Parfait, merci beaucoup François Bedin. Et bien avec Raphaël Grabili, on va retrouver le plus petit smartphone Samsung du moment. Ouais, c'est un petit format, c'est le Galaxy A3. Alors c'est la nouvelle édition, donc l'année dernière, on avait déjà adoré ce modèle, le A3 2016. Alors ils ont fait une nouvelle version, l'année dernière il était quasi parfait, bah, cette année il est toujours aussi quasi parfait. Samsung, bon, à part le Note 7, a juste fait d'excellents produits toute l'année. Franchement, c'est moi je suis plus surpris, mais c'est une nouvelle valeur sûre. Alors moi déjà, ce que j'ai vraiment adoré, t'as réussi à connecter ton Apple Watch dessus. Alors j'ai essayé, j'ai pas réussi. C'était pour rigoler, pardon. Mais non, moi ce que j'aime beaucoup, ça suffit maintenant. Les blagues les plus courtes sont les meilleures. En parlant d'Apple, c'est un format 4,7 pouces, donc c'est le même format que l'iPhone 7. Mais qui est encore plus compact parce que l'écran occupe une plus grande partie de la façade avant. Mais c'est dingue parce qu'il a l'air tout petit ce téléphone. Exactement. Par rapport alors aujourd'hui au téléphone qu'on a, alors que c'est un 4,7 pouces. C'est un 4,7 pouces et moi personnellement j'adore ce genre de format. Finalement c'est très agréable à manipuler, en plus ça tient plutôt bien en main, etc. Voilà, c'est un super format. Après en plus sur les finitions. Vu de profil on dirait un iPhone. Hein. Bah, ça ressemble quand même surtout, je trouve, au Galaxy S7. De profil avec le dos comme ça, un petit peu arrondi, tout en vert. Mais là, c'est pas de profil, c'est le dos. Mais si tu regardes sur la tranche, juste la tranche, le haut... Ouais, effectivement, un petit peu à ce niveau-là. Mais moi, je trouve que ça ressemble... C'est quand même vraiment inspiré du S7. Et du coup, on a vraiment les définitions, pour moi, du haut de gamme, avec du vert, du métal sur le côté, etc. Donc pour moi, c'est vraiment très sympa d'avoir ça à ce prix-là, à 329 €. L'écran, côté spec, on est bien, appareil côté, photo, alors, tout ça. Côté spec, écran Super AMOLED, on est chez Samsung, c'est normal. Donc c'est du après, c'est du tout bon. Voilà, c'est du tout bon. Niveau puissance, on a un Exynos qui a dansé 1,6 GHz. Donc on va pouvoir jouer aux jeux vidéo sans forcément pousser tous les détails à fond. C'est pas du tout une bête de course, c'est correct. Par contre, il est hyper fluide dans l'interface au quotidien, etc. En photo, il est aussi acceptable, mais surtout, ce qui fait sa force, c'est son autonomie, en fait, qui est juste incroyable. Alors, on fait des tests d'autonomie polyvalente, donc on mélange les usages, etc. Pour vous donner une idée, l'iPhone 7, qui est moyen, correct, il a tenu 7h50. Donc, en usage, on va dire mixte. Mixte, exactement. Le plus proche de la réalité. Voilà, ce qui équivaut, dans les faits, à une bonne journée. L'année dernière, le A3, il avait tenu à peu près 12 heures, ce qui était assez incroyable. Et là, il tient 14h30. Donc c'est le double de l'iPhone 7. C'est le double de l'iPhone 7. Donc en gros, vous pourrez compter dessus deux jours. C'est quand même assez incroyable pour être mentionné. Ouais, mais deux jours, c'est pas bien. Ah non. Non, c'est pas bien. Un, c'est mieux. C'est mieux 12 heures. Un, c'est mieux. Oui, oui, parce que autant tu peux penser à recharger ton iPhone tous les soirs, autant tous les deux soirs,
T'es sûr d'oublier. C'est plus compliqué. Bon, oh là là, l'excuse bidon. Alors non, là, soir. Celle-là, elle est vraiment excellente quand même. Non. Ça, même Emmerich, il a envie de vomir. Ça, c'est là, il est là, il se dit, oh là là, je suis dans un jeu voilà. de réalité virtuelle de mauvaise qualité. C'est l'interrupteur qui est pas passé. C'est le ouais, non, mais je suis un interrupteur. Je vous réserve un chien de ma chienne. Non, et dans les bonnes autres, très bonnes nouvelles, justement, il y a l'arrivée d'un capteur d'empreinte digitale qu'il n'y avait pas l'année dernière. Là aussi, quand même, c'est très sympa. Et la norme IP68, donc si vous le faites tomber dans l'eau, plus, il survivra. Le seul petit bémol, c'est 16 gigas de stockage. C'est un peu léger, surtout en fait, une fois que c'est installé, il reste que 10 gigas. Et on peut pas rajouter de la mémoire. Si, heureusement, on peut avec une carte micro SD. Donc voilà, c'est le seul petit bémol, mais sinon, sur le milieu de gamme, on a testé le c'est A5. Et c'est voilà, Samsung fait juste un truc hyper convaincant. Voilà, très joli super. Galaxy A3 qui est disponible. Hein, qui est disponible depuis hier, il me semble. Parfait, ouais. Merci Raphaël. Samsung qui doit nous dévoiler quelques surprises prochainement. Là, alors attends, il n'y a pas que Samsung qui va nous dévoiler des surprises prochainement. Hein. Ouais. Là, on va y avoir droit. Hein. Et les Nokia, et les LG, et les Huawei. Barcelone, les ça approche. Barcelone. Et oui, c'est fin février. Et on y sera dès le dimanche sur Zeronet TV pour vous faire vivre ça. Mais vous allez voir, ça va être terrible. Vous serez aux premières loges. Exactement. Il est là, il a patienté sagement. Oui. Il faut dire qu'il a mis tellement de temps à arriver avec son énorme PC, Emmerich Siméon. Regardez comme il est musclé maintenant, Emmerich Siméon. Il a pris énormément en musculature depuis ces derniers jours. On sait pourquoi maintenant. Parce qu'il teste le PC le plus gros du monde. Alors d'ailleurs, il n'est pas sur cette table. Hein, parce que... Oui, alors le plus gros du monde, peut-être pas quand même. Mais enfin, parce qu'il y a pire. Il y a pire. Voilà, il y a pire, enfin, il y a mieux, il y a pire, ça dépend. Non, moi, je suis venu vous parler du HP Omen X, alors série 900. Alors, on l'avait vu... Alors déjà, c'est un PC qui tient de travers, c'est ça ? Voilà, c'est ça. Alors, c'est un PC qui a la particularité, effectivement, d'être quasiment un cube parfait, ce qui fait à peu près une vingtaine de centimètres de côté. Et en fait, oui, effectivement, il tient sur une de ses arêtes. Alors, il tient pas par l'opération du Saint-Esprit. Hein, il est effectivement calé en dessous. Hein, donc on les voit pas à l'image, mais il y a deux cales en dessous qui on voit le rien maintiennent. Je sais pas qui a filmé ça. Qui, mais... qui le maintiennent. En même temps, c'est pas la partie la plus intéressante non, du produit. C'est ah, si, là, on les a vus. Voilà. Là, on les a vus. Bon, alors effectivement, avec ça, on va pas faire trop de bureautique Internet. Hein, enfin, on peut. Il n'y a pas de problème. Ça, oui, ça Word tourne bien là-dessus. Hein, voilà, c'est ça. Chrome aussi est à l'aise. Oui, Chrome, parfait. Chrome super. À l'aise. Voilà. On va plutôt s'en servir pour jouer. Alors, il existe en plein de les grosses blagues de geeks. Et oui, qui va partir ça en fait courant, rire que nous. En fait. Pardon. Allez-y. Non. En même temps, vous êtes chez vous. Hein. Ouais. Faites ce que vous voulez. Tu sais quoi, comment c'est quand on est chez vous, quand on invite des gens, tu l'as, tu es tout en train de parler, il faut laisser parler les invités aussi. C'est ça. Donc voilà, on est très mal poli. Donc, c'est malgré tout, niveau jeu, est-ce que, on va dire, le ramage équivaut au plumage ? Alors, effectivement, il y a de quoi se faire plaisir. Il y a surtout quelques configurations disponibles, hein, parce que HP n'en a pas créé qu'une, il ne s'est pas arrêté là. Il en a créé plusieurs. Alors, celle que nous, on a reçue au labo, un peu musclée, hein, coûte la bagatelle de 3000 euros. Voilà, faut le dire vite. D'accord. Et pour ce prix-là, vous avez de jolies choses, hein, des jolis composants. Alors les composants actuels, hein, on s'entend, voilà, un Core i7 6700K, on a 32 Go de RAM, on a 256 Go de SSD, 2 Tera disque dur et une GeForce 1080. Alors j'entends d'ici et je lis d'ici sans les avoir encore lus les commentaires qui vont me dire mais à 3000 euros je me fais mieux. Oui, on sait, on sait qu'on peut faire mieux pour 3000 euros. Je suis le premier à le dire, il n'y a pas de problème. Il est un peu blasé. Voilà. D'avoir toujours les mêmes commentaires. Oui, c'est ok ça. Les gars, je le sais que vous allez c'est faire ça. Je sais que pour 3000 euros, on peut se payer deux Acer machin, etc. J'en suis tout à fait conscient. J'en ai plein qui passent sur mon bureau. Je suis pas en train de vous dire que c'est la machine du siècle. Simplement, elle est sympa parce que en fait, tout est monté de travers dans cette machine. C'est-à-dire que moi, j'ai trouvé ça c'est génial. Pour les mecs un peu la carte mère est complètement inclinée. Tout est incliné. Il y a en fait pas besoin d'avoir des tournevis ou quoi que ce soit pour démonter la machine puisque ah, HP livre tout l'outillage nécessaire en façade. En fait, c'est caché derrière une façade, il y a tous les écrous qui permettent de pouvoir ajouter même des disques durs à chaud. Voilà, on peut ajouter jusqu'à 4 disques durs à chaud directement depuis l'extérieur du PC. Il n'y a pas besoin de sortir son tournevis, ses serre-câbles, ça perd pas un peu de son charme si tu n'utilises pas le tournevis. Finalement bien, tu vois, suer quand tu passes la main derrière, tu n'arrives pas à attraper la carte et alors tout. Ça c'est pas mal, mais imaginons qu'il y a un ami qui vient avec son disque dur pour chez
pas ça moi, échanger des photos de vacances, mettons. Bon, bah, c'est quand même sympa de pouvoir. Alors, certes, vous me direz, pour venir avec un disque dur USB, mais là, il en avait plus. J'osais pas te le dire. Bon, là, il en a plus. Vraiment, tu prends le scénario dramatique. Bah, non, mais moi, le mec, il a pris son disque dur qu'il a démonté de son ordi. Mais François, vous êtes vraiment. Il n'y a pas si longtemps, on le faisait. Oui, c'est voilà. Les disques durs USB, les interrupteurs, vous êtes complètement old school. Voilà. D'accord, merci. Voilà. Donc, bon, tout ça pour dire que si le boîtier vous tape dans l'œil, vous pouvez l'acheter vide. HP le propose vide, dépourvu de toute configuration. Rien dedans, rien. Tu peux t'en servir comme si ce n'est la tôle. Si alors, faut quand même savoir que vide, déjà, la bestiole pèse à peu près 18 kg. Là, chargée, celle que nous, on a, on est à 25. Il y a la lime quand même. Non. Il n'y a même pas la lime. Il n'y a pas la lime. Ah ouais. Et non, et non. Et ça vous coûtera quand même 550 euros. Ah alors, oui, je sais, pour ce prix-là, on peut avoir. voilà. On va continuer. On peut avoir du Lian Li, on peut avoir plein de trucs super bien. Voilà. Mais effectivement, si jamais le concept vous intéresse, parce que mine de rien, c'est rigolo. Il fait 20 cm de côté, on peut le poser sur son bureau tel un gros nerd. Et moi, typiquement, c'est le truc qui me fait mais complètement, complètement rêver. Et ben voilà. Alors effectivement, là aussi, on voit HP a installé un petit utilitaire. On peut changer les lumières. Voilà, il permet. Alors ouais. Et puis alors, ça va encore plus loin que ça, c'est-à-dire qu'en fonction de l'activité du processeur ou de la carte graphique, le boîtier peut changer de couleur. Ah oui. Ah, un ouais, peu comme c'est le joueur Sioux. D'ailleurs. Ouais. C'est Sioux. Tu peux pas faire ça dans ta nouvelle voiture. C'est hein. Sioux. Non. Quoi qu'elle change de couleur, mais j'en parlerai. Donc voilà, et quoi vous dire d'autre, bah, à partir de 2199 euros pour les configurations pré-montées, d'accord. Ça monte très haut. Forcément. Et on a soit de la. Alors pour l'instant, il n'y a que des cartes Nvidia. Enfin, je n'ai trouvé que des cartes Nvidia, mais AMD affirme qu'il y a aussi la possibilité d'avoir des cartes AMD. Voilà. Bon. Et je crois que j'ai à peu près tout dit. Notre auditeur Caribou qui nous suit. Oui. C'est très fidèle. Caribou, est-ce qu'il faut renforcer son bureau pour le poser dessus? Bah 20 kilos, non, ça va. Ça va, ça tient ça va. Enfin, si on a juste une planche de on peut de... le porter seul, ouais, 20 kilos. Oui, oui, oui 20 kilos, ouais. Oui, ça se porte seul. Oui. Enfin, peut-être pas pour l'emmener en LAN, hein, mais dans oui. Le train, tout ouais. Ça, mais loger dans le coffre de la voiture, ça fait partie de l'affaire. Pourquoi quoi. Omen? Ça veut dire quoi, Omen? Bah, Omen, c'est le nom de la série des PC de joueurs chez HP. Ah. Omen, Omen X. D'accord, mais voilà. Ça, y a pas d'histoire particulière. Non, je crois pas. Alors si, enfin peut-être que ça se réfère au petit logo qui ressemble un peu à un masque Maori. Peut-être qu'il y a quelque chose à rechercher de ce côté-là, mais bon, pas tout à fait spécialiste. Okay. Prochain travail d'investigation d'Emeric, c'est de voir d'où vient l'étymologie domaine. L'étymologie domaine. C'est ça. Ah, ouais. Bah, je fais ça pour, je vous le détaille, 4 copies doubles la semaine prochaine. Hein, voilà, tranquillou, on se fait ça la cool. Merci beaucoup, merci Emeric. Merci Emeric. À retrouver donc ce test sur zeronet.com, j'imagine. Très bientôt. Très bientôt. Mmh. Voilà, là il est en train de le peaufiner, pour tout vous dire, ça va bientôt arriver. C'est ça. Merci encore à Raphaël Grabli. Merci. Un dernier mot sur la question. Ouais. La question du jour, Zeronet Orange. Utilisez-vous une montre connectée? C'est toujours non, hein, majoritairement à 60%. Oui, 40%. Le oui remonte un petit peu quand même. Ouais. Enfin, vous pouvez continuer à voter. Tu veux qu'on en allez, parle, ça suffit, François. On n'en parle pas, c'est pas la peine. Non, on n'en parle pas. Mais... là-dessus, attendez, c'est bon. Ah, oh, ça commence à bien faire. Bon, allez. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à Thomas Remiret qui faisait la réal ce soir. Ça en est bien sorti encore une fois. Très bien sorti. Bon, il y a eu ouais. Deux, trois trucs. On ouais, va... Non, ça va, on va le garder. C'était bien. Non, c'était bien. À Pierre Thiolin qui faisait tout le reste. Et, et à Noémie aussi. Qui a tout fait. Voilà, c'est qui ça. A tout fait. Exactement. On vous souhaite une très belle soirée. Merci de nous avoir suivis. On sera là bien sûr jeudi prochain pour un nouveau Zéro en live hebdo. Et puis toute l'actu high tech tous les jours sur Zéro Net TV. À très vite. Salut à tous.